mondiale du Québec, l'AFEC. C'est un des trois leaders qui a mené le mouvement étudiant en 2012 contre la hausse des frais de scolarité. Donc, M. Bourgouret nous parlera du mouvement étudiant en 2012 sous un aspect parole publique et citoyen. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. D'abord, merci de l'invitation. Je suis également maintenant étudiant ici à l'Université Laval en droit. Donc, c'est toujours un plaisir de venir à l'université dans un autre contexte. Avant, personne ne m'appelait monsieur. Là, maintenant, beaucoup de gens m'appellent monsieur. C'est toujours particulier pour moi. Mon objectif aujourd'hui, donc, c'est de contribuer à la réflexion sur la parole citoyenne à travers mon expérience personnelle de représentant étudiant durant le printemps érable dont on a parlé, la crise étudiante de 2012. J'aimerais aussi apporter certains éléments de réflexion puisque j'ai été député à l'Assemblée nationale par la suite. J'ai pu voir aussi les interactions qui peuvent exister entre les mouvements citoyens et, disons, les institutions traditionnelles ou les institutions politiques plus formelles. Et c'est un des sujets qui m'a intéressé et qui continue bien sûr de m'intéresser pour voir de quelle façon le politique et la société civile peuvent interagir finalement pour amener des changements dans notre société. C'est sûr que je porte pas un regard très théorique, disons, sur le mouvement étudiant, puisque c'est difficile pour moi, même si près de 3 ans se sont écoulés, mais il reste que, en l'ayant vécu au jour le jour, je n'avais pas, disons, au moment des événements, un grand recul sur la situation, étant plutôt préoccupé par qu'est-ce qui allait se passer dans la prochaine heure ou demain. Mais maintenant que le temps a passé, disons, ça m'a permis justement de vous apporter, je pense, quelques réflexions, surtout sur l'angle des communications. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de 2012, je pense que c'est important de remonter un peu le fil du temps, puis j'aimerais le faire donc à travers ce que je connais, c'est-à-dire mon expérience personnelle, pour vous donner une idée d'où je viens. Moi, j'ai commencé mon implication vraiment par hasard. Moi, j'étudiais au cégep de Saint-Hyacinthe. Moi, j'étais très critique à l'égard de mon association étudiante. J'avais une vision un peu folklorique du mouvement étudiant, ou des barbus un peu dans des salles obscures qui fomentent la révolution ou je ne sais trop. Et donc, j'avais un regard assez caricatural, disons, de la situation. Et bon, plusieurs amis me critiquaient, mettaient de la pression, me disaient « Arrête de casser les couilles un peu avec tout ça, puis va t'impliquer, fais quelque chose, tu verras qui apporte quelque chose à notre micro-société, là, qui était notre collège. » Et c'est comme ça que je me suis présenté, vraiment sans trop savoir, comme représentant étudiant d'abord de ma classe. Je suis ensuite devenu représentant de mon collège dans une fédération d'associations étudiantes, la Fédération étudiante collégiale. Et pour vous donner une idée de quel point je partais loin, j'ai voyagé un petit peu au Québec en vacances avec la famille, mais là, c'était la première fois que j'allais en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, pour rencontrer là aussi, partout au Québec, des étudiants qui vivaient une expérience d'implication, qui avaient des préoccupations. Et ça a été pour moi une ouverture incroyable de réaliser que les réalités, les problématiques qui sont vécues, dans mon cas à Saint-Hyacinthe, ou à Montréal, ou ici à Québec, étaient partagées un peu partout. Et qu'en s'unissant, finalement, on pouvait exercer des pressions structurées, cohérentes, intelligentes sur l'État. Moi, le gouvernement, ça se limitait aux quelques interventions publiques qu'on voyait au téléjournal, puis là, de constater qu'il y avait des représentants élus qui avaient suffisamment de légitimité pour rencontrer des députés, des ministres, organiser des manifestations, communiquer avec les médias. Je me suis rendu compte, finalement, du pouvoir que cette action collective pouvait avoir. Et moi, je commence mon implication, donc, à la fin de la décennie 2010, donc plus autour de 2008-2009, et c'est un peu un creux dans l'implication étudiante. On travaille à ce moment-là sur la question des prêts et bourses. Il y a eu, en 2007, une tentative de mobilisation contre l'augmentation des droits de scolarité qui n'a finalement pas fonctionné. Les plus grandes manifestations y ont rassemblé autour de 2000 personnes à Montréal. Et le gouvernement avait réussi à ce moment-là à augmenter c'était autour de 500 $, c'est de 100 $ par session, voilà, quelque chose comme ça, donc sur 5 ans. Et donc vraiment, il y avait une certaine démobilisation au sein du mouvement étudiant, où on était justement un peu nostalgique à des époques dont monsieur a parlé, également du mouvement étudiant de 2005 qui a porté sur les prêts et bourses, qui avait connu une mobilisation très, très importante. Et en tout cas, moi j'arrive dans un moment un peu de découragement. 2010, le gouvernement annonce son intention dans le budget du Québec d'aller de l'avant avec une augmentation des droits de scolarité. Et moi, c'est dans ce contexte-là que je termine mon implication
au collège et me demande, écoute, serais-tu intéressé à présenter candidat à la présidence pour la Fédération étudiante? Donc, vous avez vu que moi, je n'avais pas une grande expérience, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, je n'avais jamais été actif auparavant. Je m'embarque là-dedans en disant, bon, ça va être une belle expérience, un peu naïvement, sans trop savoir. Et je me disais, ça me fait un petit break de l'école, tu sais, puis on retournera après. Vous comprendrez que le milieu parental n'avait pas le même enthousiasme à l'égard de mon projet politique, mais ils m'ont quand même laissé aller là-dedans. Et donc, au départ, moi, j'arrive, donc, j'étais de 2010 donc à 2012, président de la Fédération étudiante. Et à ce moment-là, on cite déjà la question des droits de scolarité comme étant notre priorité avec la Fédération étudiante universitaire, avec également les différentes associations, et rapidement s'entendre pour dire que ça doit être un enjeu important. Et pour moi, c'est important de mentionner qu'au départ, ça n'avait rien des grandes manifestations qu'on a vues. Plusieurs d'entre vous, peut-être, y avaient participé. Au départ, c'était quelques dizaines de personnes qui se rassemblaient. Il fallait courir après les médias pour être couvert. Puis les gens étaient très critiques, assez lapidaires, disaient que c'était un débat qui avait déjà été réglé, qu'enfin, il fallait justement casser un peu ces périodes de gel des droits de scolarité pour aller vers une augmentation. Il y avait une certaine lassitude du milieu médiatique qui disait encore la vieille ritournelle des associations étudiantes, parce qu'il faut se souvenir que même si ça n'avait pas été autant médiatisé, communiqué, ce discours contre l'augmentation des droits de scolarité est présent depuis 50 ans dans le discours étudiant au Québec. Et un des points tournants se passe ici à Québec, je pense, c'est le 6 décembre 2010 ou 2011, je vais faire le fil un peu dans les dates, 2010 je pense, et il y a une rencontre des partenaires en éducation, et là vraiment le gouvernement cristallise sa volonté d'aller de l'avant avec une augmentation des droits de scolarité. À peu près 2000 étudiants d'un peu partout au Québec qui se rassemblent ici à Montréal, à Québec. Et ça vous illustre encore une fois à quel point le mouvement au départ n'était pas très grand, puis ce n'était pas faute d'essayer, il y avait des tournées de classe, du tractage, les médias sociaux étaient utilisés autant qu'on pouvait. Or, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ça ne levait pas et que ça levait plus tard? C'est ce que je vais tenter de réfléchir un peu avec vous. Donc, le mouvement continue. Un autre point tournant, c'est, à mon avis, le 10 novembre 2011, où il y a, à Montréal, toutes les associations étudiantes s'entendent pour convoquer une manifestation. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, et un peu avant, que germe l'idée de grève étudiante, finalement. C'est-à-dire que ça faisait partie des cartons, mais c'était pour nous notre premier test. Et on décide d'organiser une manifestation à ce moment-là. On se fixe comme objectif d'avoir 10 000 personnes dans les rues à Montréal. Et on se dit, si on a 10 000 personnes dans les rues à Montréal, on pourra ensuite envisager d'aller plus loin. Et on s'inspirait, bien sûr, notamment du mouvement de 2005. Il y avait eu la même date, c'était un addon, en tout cas le 10 novembre 2004, une manifestation qui avait ramené 10 000 personnes. On a dit, bon, si on réussit à faire comme les autres, on va peut-être être capable de faire quelque chose de plus gros après. Et ça, pour moi, c'est un point tournant parce que c'est la première fois, ou une des premières fois, à part le moment où j'ai parlé en 2010, en décembre 2010, à la rencontre des partenaires, que là, tous les téléjournaux s'ouvrent avec les différentes manifestations étudiantes, que là, les émissions à 24 heures en 60 minutes, tout ça commence à s'intéresser vraiment à cet enjeu étudiant. 30 000 personnes dans les rues de Montréal, c'est quand même un événement, somme toute, assez exceptionnel. Il y avait grève cette journée-là dans beaucoup d'institutions scolaires. Et donc, vraiment, le politique, le médiatique se met à se tourner vers ce mouvement-là. Je pense que ce qui a permis d'abord de rassembler autant de gens, c'est le fait que des levées de cours, des grèves aient fonctionné de manière simultanée un peu partout. Il y a eu une bonne mobilisation, mais ça a été par la suite un tremplin. Par exemple, on a travaillé à ce moment-là du mieux qu'on pouvait pour attirer l'attention. On a travaillé sur une note économique, par exemple, qui démontrait que le Québec allait se priver. Bon, un certain nombre d'étudiants, ça a fait les manchettes. Et donc, par la suite, commence le marathon un peu pour aller de l'avant vers la grève étudiante. Pour vous donner une idée d'à quel point c'était difficile d'envisager, en tout cas moi avec l'équipe avec laquelle je travaillais, l'ampleur que ça allait prendre. Nous, notre objectif, on visait plus autour de la semaine de relâche, là, vers la mi-mars, pour envisager une mobilisation. On s'inspirait encore une fois des mobilisations précédentes. Puis nous, une de nos considérations, c'était on disait, si on part ça un peu avant la relâche, bien, les relâches vont embarquer, ça va être une semaine où les étudiants n'auront pas pénalité, puis comme ça va être plus facile pour nous de faire durer le mouvement longtemps. Et on se disait, après deux, trois semaines, bon, le gouvernement avait la pensée un peu magique, ça va nous convoquer en négociation, tout ça. Je ne sais pas, trouver une solution. Et donc, finalement, les étudiants de l'UQAM sont un peu plus rapides, comme c'est le cas à l'habitude. Eux, ils décident d'embarquer plus autour de mi-février. Je ne me souviens plus des dates exactes. Et au départ, donc, c'est beaucoup autour de l'UQAM, certains collèges de la région métropolitaine, beaucoup autour de l'AC qui va se transformer en la classe, que va se structurer le mouvement. Et donc, nous, ça nous force à
à accélérer un peu la cadence et à déclencher plus rapidement des votes dans les différentes assemblées. Mais pour moi, qu'est-ce qui a vraiment changé à ce moment-là, puis qu'est-ce qui a permis même à ces premiers votes de passer? Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant pour vous, hein, en tant qu'étudiant en communication, c'est vraiment le fait que, justement, de cette attention médiatique qui a été générée autour du mouvement, qui a créé un phénomène d'entraînement. Donc, les premières manifestations récoltent quelques milliers de personnes, ce qui est quand même assez soutenu. Plusieurs manifestations se tiennent chaque semaine, ce qui aussi est assez rare. Hein. Et ça va culminer, là, donc le nombre de collèges et tout ça augmente. Et nous, notre objectif qu'on s'était fixé avec la Fédération étudiante universitaire, on avait identifié le 22 mars comme étant pour nous un moment clé. Le pic pour nous, c'est le climax de mobilisation. Tous nos efforts étaient orientés vers ça. Pendant ce temps-là, en parallèle, on tente du mieux qu'on peut de convaincre le cabinet de la ministre de l'Éducation, les bureaux du premier ministre, de convoquer des discussions, des négociations. On leur dit, écoutez, notre objectif, ça rejoint un petit peu la conférence de l'intervenant précédent. Nous, on était vraiment concentrés sur notre objectif qui était les droits de scolarité. Nous, on se disait, il faut en arriver à une entente, il faut arriver à quelque chose pour ça. Les gens font des sacrifices et on était vraiment obsédés par cette volonté d'aller chercher une victoire là-dessus. Donc, 22 mars, c'est près de 200 000 personnes qui ont marché dans les rues à Montréal. Après, la moitié des étudiants postsecondaires qui sont en grève. Mais toujours, aucune réponse au niveau gouvernemental. Et juste pour vous illustrer à quel point les canaux de communication étaient difficiles, on rencontre, je reviens un petit peu en arrière, mais autour du mois de décembre, la ministre de l'Éducation, pour la première fois, Mme Beauchamp, qui était là, pour vous donner une idée un peu de la considération qu'on avait à notre égard. Le chef de cabinet nous répond, savez-vous ce qu'ils disent les radios de Québec sur vous autres? Ça commence bien. Ils disent que vous avez juste à vendre vos bières vides pour payer vos droits de scolarité. Et bon, on se dit, OK, d'accord, c'est tout ce que vous avez à nous dire. Ils disaient ça un peu, puis ça illustrait le mépris, ou en tout cas l'impression qu'il y avait du peu de mobilisation que pouvait engendrer cette crise étudiante, puis du fait que pour le gouvernement, finalement, c'était du menu flottant. Et c'est ça qui va rester dans la tête du gouvernement pendant longtemps, enfin, les discussions que j'ai eues avec les différents intervenants par la suite. Nous, on mettait nos efforts vers cette mobilisation donc, du 22 mars, et eux, ils disaient de leur côté, nous, on va essayer de retenir le plus longtemps les discussions avec les étudiants jusqu'à cette date du 22 mars pour affaiblir au maximum leur rapport de force et les rencontrer suite à cet événement pour justement qu'ils soient, avant leur événement le plus fort, mais qu'ils soient vraiment à l'état de faiblesse. Donc, ça vous illustre un peu l'ambiance qu'il y a. Et donc, à ce moment-là, encore une fois, 22 mars, une pratiquement de tous les journaux, mais bon, toujours pas de rappel. Et ça va culminer beaucoup plus tard par des premières séances de négociations qui vont se tenir autour du mois d'avril, de mai. Encore une fois, vous m'excuserez, je n'ai pas toutes les dates par cœur. Et je veux insister là aussi sur un élément important, puisqu'à la première séance de négociations, une trêve avait été convenue entre les associations étudiantes et le gouvernement. Et donc, à ce moment-là, on n'était pas censé organiser de manifestations pour permettre le bon climat. Et les associations, la classe, avaient hébergé sur son site web un événement Facebook qui s'appelait l'Hostie de grosse manif, qui était une première manifestation nocturne qui devait se tenir à... Et donc, le gouvernement profite de cette occasion-là pour exclure le groupe des négociations, les différentes associations se retirent. Et j'insiste sur ce moment-là parce que c'est vraiment à ce moment que j'ai, comme je vous disais, moi, dans tout ça, je suis un peu, c'est mes premiers faits d'armes, disons, au niveau des communications, de la négociation, tout ça, mais j'ai vraiment réalisé quelque chose à ce moment-là en ouvrant la télévision ce soir-là. Parce que ce qu'il y avait ce soir-là, c'est, comme vous voyez souvent au téléjournal, il y avait l'écran tactile là, de l'intervenant Radio-Canada qui disait, donc vous avez ici l'événement Facebook de l'Hostie de grosse manif. Il disait, il y a près de 2000 participants qui ont confirmé, hein, qui seront présents. Et là, il revient 30 ou 40 minutes plus tard et il dit, oh, le nombre de manifestants ne cesse de croître d'heure en heure. Ils sont maintenant près de 5000. Puis là, moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est vraiment, vous direz que j'ai été un peu lent, mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point le pouvoir, finalement, que nous accordait cette visibilité médiatique. C'est pourquoi le nombre de manifestants avait doublé. C'est parce que la visibilité médiatique qui était accordée était énorme. Je veux dire, d'habitude, c'est pas pour rien que les shows de Madonna et de Céline se vendent en moins de 24 heures. Il y a tout un battage. Ça fait la une des journaux, c'est la une du Journal de Montréal, ça ouvre le TVA Nouvelle. Et là, c'était un peu le même principe, c'est-à-dire que c'était l'endroit où être ce soir-là. En plus, les étudiants étaient en grève, donc ils étaient chez eux. Ils avaient les yeux rivés vers les différents moyens de communication qui étaient la télé, l'ordinateur, peu importe. Et...
Et comme vous l'imaginez, il y a eu pas mal de monde à cette manifestation-là le soir à Montréal. Et là, en plus, il y avait couverture en direct. Donc, ceux qui n'étaient pas là à la manif se sont dit, bien, la prochaine, il faut que j'y sois. Et ça a continué comme ça pendant des dizaines et des dizaines de jours. Ça a migré ici vers Québec, vers d'autres villes, un peu partout. Et j'en suis arrivé là pour revenir à la question initiale, quelle était la différence entre ça et les premières manifestations qui ne levaient pas. À mon humble avis, c'est justement... Parce que plusieurs personnes ont, je pense, une vision peut-être un peu poétique ou tout ça des mouvements sociaux, des médias sociaux, dis-je, en disant que les médias sociaux vont permettre de nouvelles mobilisations. Je pense que c'est vrai, sauf que vous constaterez comme moi, il y a beaucoup de choses dans notre feed Facebook, sur Twitter ou tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Or, qu'est-ce qui fait qu'on accorde souvent notre attention à certaines mobilisations, qui fait qu'on va non seulement passer du clic, mais à l'acte, à participer à la manifestation? À mon avis, c'est les médias traditionnels, à travers la télévision, à travers la radio, qui, eux, vont accorder, choisir, sélectionner ce qui est un enjeu public majeur et qui, après ça, va faire en sorte que ça va se transformer en mouvement incroyable sur les médias sociaux. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être l'inverse, c'est-à-dire que parfois, un mouvement prend beaucoup d'ampleur sur Internet et là, ils vont en parler au téléjournal, mais je pense que, à mon humble avis, c'est quand même à partir du moment où ils en parlent au téléjournal que ça va devenir un mouvement généralisé, c'est-à-dire que un petit groupe d'individus très mobilisés peut réussir à utiliser le web pour faire parler de soi. Je vous donne un exemple. Lorsque je me suis présenté, par exemple, aux élections, j'ai décidé de justement passer directement par le web en annonçant, non pas en donnant d'exclusivité par exemple à un journal, mais en donnant en exclusivité, entre guillemets, sur Internet, ce qui n'y a personne. Et sauf que juste ça en soi, ça a été un élément de nouvelle qui a fait en sorte que on estimait que ça générait encore plus d'attention que si on l'avait donné uniquement à un média. Bref, tout ça pour illustrer l'interaction, je pense, qui a existé à ce moment-là et qui a permis vraiment au mouvement de prendre tant d'ampleur. C'est-à-dire que je ne pense pas que c'est uniquement les médias sociaux eux-mêmes, mais c'est le fait que ça a été répercuté aussi par les médias traditionnels. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer un jour. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir de la télévision, qui encore aujourd'hui est un outil incroyable, qui est, ce que disent certains, peut-être un des seuls qui peut vraiment faire changer les mentalités, qui peut vraiment créer là, un changement de perception dans la population. Et qu'est-ce qui a fait également que tant de gens se sont présentés dans les assemblées, tout ça, puis qu'à un moment donné, quelques collèges mobilisés ont réussi, quelques universités mobilisées ont réussi à engendrer un mouvement. Je pense que c'est beaucoup ça, c'est que justement, quand tu ouvres le journal, quand tu ouvres la télévision, puis tu as l'impression que tu n'es pas dans le game, quand tu as l'impression que tu ne fais pas partie de ce qui se passe en ce moment, bien, tu te sens loser. On veut tous faire partie du groupe, on veut tous faire partie de ce qui se passe, on veut tous être in, on veut tous être sur la vague. Et je pense que ça, ça a vraiment été un élément déterminant. Je pense que c'est un peu le défi de n'importe quel mouvement social, c'est de passer de la marginalité à un mouvement dans lequel tout le monde veut être. Qu'est-ce qui fait en sorte que parfois, on voit quelques personnes qui font un piquet de grève ou tout ça, puis non seulement on ne veut pas les joindre, mais on est presque un peu gêné d'être là, on ne sait pas trop quoi faire. Puis qu'est-ce qui fait qu'à l'inverse, des fois, on embarque, puis on est là, comme ça s'est passé dans les différentes manifestations nocturnes où les gens étaient là, ils voyaient les manifestations passer, ils participaient. Qu'est-ce qui fait en sorte que... Je pense que ça, c'est important. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais pour moi, c'est vraiment important aussi de parler d'une rupture, je pense, qui est intervenue dans le mouvement étudiant de 2012. Ça a été la fameuse loi spéciale, la loi 78, qui a été adoptée au courant du mois de mai, là, si ma mémoire est bonne. Pour moi, ça a été une rupture très importante, parce qu'à partir de ce moment-là, le mouvement est passé de mobilisation sur les droits de scolarité à mobilisation carrément sur la liberté d'expression. Et ça, je pense qu'on a bien joué nos cartes, bien humblement, à ce moment-là, parce que vraiment, notre réaction à ce moment-là, ça a été vraiment de dire que c'est une attaque à la liberté d'expression. On a contacté le barreau, enfin, tous les gens qu'on pouvait pour essayer de faire en sorte qu'ils réagissent, pour montrer que c'était une loi liberticide. Et je pense que c'est vraiment, encore une fois, le travail de communication qui a permis de faire la distinction entre cette loi spéciale et d'autres lois spéciales, par exemple, qui sont des réponses à des mouvements ouvriers, mais qui ne reçoivent pas la même opprobre populaire. Et pourtant, il y avait d'autres exemples dans le monde où on tentait de limiter les manifestations, tout ça, mais je pense que vraiment, encore une fois, c'est cette réaction rapide qui a été permise grâce aux chaînes d'information en continu, tout ça, qui a fait en sorte que rapidement la population s'est cristallisée. Juste pour vous illustrer ça, la presse, le lendemain de la loi spéciale, sortait un sondage où il demandait aux gens, êtes-vous d'accord avec les mesures, les articles de loi de la loi spéciale?
dans des proportions colossales, 60-65%, les gens étaient d'accord pour limiter le nombre de manifestants, étaient d'accord pour à peu près tout. Mais quand on sondait les gens, pensez-vous que c'est une bonne loi? Les gens disaient non. Donc, c'est-à-dire que même si les gens étaient d'accord avec le contenu, il y avait un bon travail qui avait été effectué pour démontrer que la loi en soi, elle n'était pas bonne, même si, quand les gens prenaient le temps de regarder chacun des articles, ils n'étaient pas nécessairement d'accord. On a mis en ligne, par exemple, à ce moment-là, tout de suite, un site web qui était loi78.com, où les gens pouvaient donner de l'argent pour financer la contestation judiciaire qu'on avait déjà annoncée le soir même pour contester la constitutionnalité de la loi. Donc, bref, tout ça, je pense, a permis de créer un bon timing. Et ça nous a vraiment aidé dans notre mobilisation parce que là, monsieur, madame, tout le monde se sentait interpellé. Même s'il se sentait interpellé par les droits de scolarité, là, je pense qu'il se sentait encore plus interpellé parce qu'il se sentait attaqué. Et c'est là qu'est arrivé bon, tout le mouvement des casseroles, tout ça, où des gens se sont mis à participer au mouvement. Là aussi, un des éléments de succès comme le carré rouge, je pense, c'est le fait que c'est facile à faire, n'importe qui peut s'y joindre. Tout le monde a une casserole puis une cuillère de bois, au même titre que tout le monde peut trouver du feutre avec une épinglette. Je pense que ce sont aussi deux éléments de succès du mouvement. Et ça a été vraiment une rupture, je pense, qui a vraiment beaucoup élargi le mouvement. Puis en plus, à ce moment-là, le gouvernement, à travers sa loi, suspendait les différents semestres, les différentes sessions universitaires. Donc là, rendu là, enfin, on n'avait plus grand-chose à perdre. Donc les gens ont continué à manifester. Il y a eu, à ma grande surprise, d'autres grands rassemblements, notamment le 22 mai et à d'autres moments. Et le gouvernement a même été obligé de convoquer une autre séance de négociation vers la fin du mois de mai, ce qui, encore une fois, était aussi très surprenant, puisqu'habituellement, le gouvernement convoque une négociation. Pourquoi? Pour qu'on arrête les moyens de pression, pour qu'on arrête la grève et qu'on retourne en classe. Mais là, il n'y avait personne à retourner à l'école. Il y avait, les sessions étaient suspendues et les autres étaient retournées en classe. Donc, c'est-à-dire que uniquement par la pression du mouvement citoyen, la pression de toutes les manifestations, le gouvernement se sentait l'obligation publique de convoquer des négociations pour apaiser les tensions. Négociations qui, comme vous savez, n'ont pas donné de résultats. Le gouvernement a utilisé un peu certains éléments qui avaient été discutés avec les représentants étudiants sur les Grands Prix et tout ça, peut-être vous en souvenez, pour suspendre finalement les négociations. Et moi, c'est ce qui m'a amené personnellement justement à vouloir suivre mon implication au niveau politique, parce que j'ai été un peu déçu du fait qu'on n'ait pas réussi à avoir de grandes victoires tangibles dans l'exercice de négociation. Je me suis dit, si après toutes ces grandes mobilisations, les gens ont l'impression qu'on n'a pas réussi à rien arracher. Mais imaginez comment ça va être difficile de revenir au départ pour les prochains et dire « Oui, oui, ça vaut la peine, même si on est juste 30, 40, 50, tu vas voir, le gouvernement va plier. » Moi, je pense que les mouvements sociaux se bâtissent sur les victoires, se bâtissent sur le gain. Je pense que la défaite ne mène nulle part. Puis je pense que la meilleure façon de donner raison au gouvernement puis de démobiliser les gens, c'est de ne pas être capable d'aller chercher un gain, pas être capable d'aller chercher une victoire, même si parfois c'est des demi-victoires, à mon humble avis, puis là-dessus, bien sûr, il y a des grands désaccords, mais cette demi-victoire vaut toujours plus que de rien avoir. Je pense vraiment qu'on construit sur du tangible, sur du gain. Je pense que c'est ce qui a beaucoup guidé le mouvement syndical dans son histoire. Et je pense que c'est ce qui doit guider également le mouvement étudiant. Tout ça, j'ai épuisé mon monde, puis je prendrai vos questions. François, vous avez quand même une très, très, très belle présentation qui a répondu à de nombreuses questions et qui fait suite à de nombreuses préoccupations que nous avons eues depuis le début, qui déterminent les enjeux publics dans l'espace public. Et puis, à quel moment on est un bon citoyen? Est-ce qu'on se contente de regarder le mouvement, de voir où on veut participer à l'action? On voit aussi qu'en tant que citoyen, de l'action dans le silence, à critiquer dans les salles, on se remet dans la danse à vouloir agir. Et petit à petit, on se laisse porter par un mouvement jusqu'à ce que on puisse mener des actions concrètes. Mais ce qu'on n'arrive pas toujours à cerner, c'est comment on gère les pressions en tant que citoyen, en tant que personne engagée. Parce que tel que vous exposez, on a vraiment l'impression que tout est fluide, tout a été facile. Donc comment avez-vous géré les pressions en tant que citoyen, en tant qu'étudiant d'abord, parce que vous avez aussi des résultats. Vos parents attendaient de vous des résultats et comment ils ont interprété tout ça. C'est peut-être un peu dans votre vie privée, mais c'est voir un peu en tant que citoyen comment vous avez géré les pressions qui se faisaient. Oui. Donc, encore une fois, moi, c'est sûr, comme je dis, j'apporte mon expérience personnelle. Je suis loin d'être des dizaines de milliers de personnes, comme vous savez, qui ont participé et qui ont vécu de manière différente là, cet épisode. Moi, c'était un peu différent parce que moi, j'étais un représentant étudiant à temps plein, où je n'étais pas aux études à ce moment-là. Pour moi, c'est un autre, quand même, des facteurs de succès de certains mouvements sociaux.
enfin, je fais parler avec le mouvement syndical. Je pense que c'est important dans notre société d'avoir des gens qui ont la chance de vraiment être présents dans les différents budgets, de scruter les orientations gouvernementales, d'être... On savait bien à l'avance quelles étaient les... c'est-à-dire que le mouvement, oui, en février, en mars 2012, était à son pic, mais ça a été 2 ans de planification de différents représentants étudiants partout au Québec qui savaient ce qui s'en venait, qui réfléchissaient à l'argumentaire, qui commandaient des études, qui essayaient d'analyser des pistes de solutions. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé. C'est sûr que moi, le fait d'être à temps plein, je pense que c'est beaucoup ce qui m'a permis de gérer cette pression, de gérer cette situation. Moi, c'était également la 2e année de mon mandat de représentant étudiant. Donc, j'avais eu la chance de mieux comprendre, de mieux décoder le mouvement aussi médiatique. Je pense vraiment, et c'est pour ça que c'est pertinent aujourd'hui, je pense que vraiment les médias ont été vraiment une des clés du succès de ce mouvement. Et oui, les médias ont été durs, souvent à l'égard des étudiants, ont beaucoup mis beaucoup de chroniqueurs, on pense à M. Martineau ou à d'autres, qui ont été très durs à l'égard des étudiants, sauf qu'en même temps, c'est tout ça qui a permis au mouvement d'arriver. Puis moi, la préparation préalable que j'avais eue avec des événements avec moins de pression, je pense que m'ont bien préparé pour ça. Moi, j'avais, dans ma première année d'implication étudiante, mon vice-président qui s'occupait des communications était un ancien étudiant de Jonquière, d'ATM en journalisme. Moi, j'avais aucune expérience, mais lui, moi, je suis même ici, je n'avais jamais écrit de communiqué de presse de ma vie, j'avais participé à une conférence de presse, mais lui, justement, m'a aidé. Et donc, je pense que j'ai été bien entouré aussi là-dedans. J'avais des gens qui, même s'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience, comprenaient quand même bien cette joute médiatique. Et je pense que les différents représentants étudiants ont su bien l'exploiter. Pour ce qui est de l'entourage, je ne peux pas dire, je ne les ai pas vraiment vus pendant ce moment-là. C'est aussi, c'est sûr que ça a aidé, le fait de ne pas avoir de famille ou d'obligation, peu importe, m'a permis à moi et à d'autres, je pense, d'être complètement consacré à ça à temps plein. On a fait chacun à notre façon le tour du Québec pour essayer de convaincre des gens dans les différentes assemblées. Et avant aussi de se rendre au niveau des médias nationaux, on avait fait tout un travail dans les différentes télévisions, médias régionaux qui sont souvent plus faciles à atteindre pour mousser la sauce un peu. Donc il y a eu tout un travail de longue haleine. Mais ce qui m'a aidé aussi, c'est ça, c'est que mon entourage m'aidait beaucoup à rester toujours concentré. Et moi, j'étais un peu isolé. Je pense que c'était le cas aussi des autres représentants étudiants. C'est-à-dire qu'on était pris pratiquement du matin au soir dans le tourbillon médiatique, parce que justement, on était conscient que c'est notre seule arme. On n'avait pas autant d'argent que le gouvernement, pas autant d'argent même que le milieu syndical. Donc, notre seule arme, c'est de faire parler nous. Donc, on saisissait toutes les opportunités de au miroir le matin à 6 h jusqu'au TVA à 22 h. Et ça, le côté négatif, c'est que ça nous isolait un peu du reste du mouvement, mais le côté positif, ça faisait qu'on était toujours concentré sur l'objectif. Et ça aussi, je pense, ça a aidé à être simple. Pour vous donner une idée, moi, la première fois que j'ai vraiment pris conscience, je dirais que les différents représentants étudiants étaient devenus des figures publiques, ça a été au mois d'avril ou mai. Je me souviens d'une grande manifestation à Montréal. Et là, les gens venaient me saluer, tout ça était content. Puis moi, c'est vraiment la première fois à ce moment-là que j'ai réalisé vraiment, encore une fois, l'ampleur, en tout cas, que les personnages de représentants étudiants. Je donnerai prioritairement la parole à ceux qui ne l'ont pas encore prise. Mon volet, c'est tout. Il y a une chose qui m'a marqué, parce que je voulais dire. En fait, on reproche souvent aux porte-parole de ne pas partager le quotidien des gens qui représentent. Vous avez dit que vous n'étiez pas aux études, contrairement à tous les étudiants que Bois City a manifesté et a parlé à leur cours. Est-ce que vous n'avez pas eu à gérer une contradiction à ce niveau-là? Oui et non. Moi, je ne le voyais pas comme une contradiction parce que, puis encore une fois, c'est l'intervenant précédent l'a exposé aussi, c'était une des critiques où certains disaient que le fait que des représentants étudiants, par exemple, du milieu anglophone, soient bien rémunérés à temps plein, les déconnectaient. Sauf qu'en même temps, on n'était peut-être pas aux études, mais on était toujours dans des cégeps. On n'était pas dans les salles de classe, soit, sauf qu'on était toujours un peu partout à rencontrer des gens ou à rencontrer des intervenants gouvernementaux ou à, disons qu'on n'était pas, en tout cas le moins possible, assis sur nos chaises dans nos bureaux. Et de toute façon, je pense que ça aurait été impossible de concilier ça avec des études, ou en tout cas, ça aurait signifié d'abandonner tous nos cours ou de les échouer. Puis encore une fois, chaque mouvement est structuré d'une façon différente. Je pense qu'il n'y a pas de formule parfaite. Moi, je pense quand même qu'on avait une bonne formule, c'est-à-dire que nous, comment on fonctionne, c'était que chaque année, une dizaine de personnes étaient élues à temps plein pour faire ça. Ça nous permettait aussi d'avoir une représentativité régionale. Donc, on avait des gens... Sinon, ce qui se passe, c'est que c'est juste des gens de Montréal qui s'impliquent aussi parce que les associations ont leur siège social à Montréal. Donc, c'est très dur pour quelqu'un de Québec. Il y en a qui le font, là, et c'est...
mais c'est très dur pour quelqu'un même d'une autre région de s'impliquer. Donc là, ça permettait à des gens de partout. Nous, on n'avait pas de grosse rémunération. On avait un salaire d'environ 10 000 $ par année, ce qui est pas mal moins que le salaire minimum. Puis en même temps, c'était pas mauvais parce que ça faisait en sorte que c'était pas juste des gens bien fortunés qui pouvaient s'impliquer. Parce que moi, c'est mon autre critique à l'égard du militantisme, je dirais, par des grandes associations bénévoles. C'est que ça fait en sorte que c'est des gens qui peuvent, que leurs parents peuvent les soutenir financièrement ou des gens qui ont... c'est pas mal juste ça, en fait, souvent. Et c'est ce qu'on constate. Moi, je constate que dans beaucoup d'associations, regardez ici à l'Université Laval, regardez un peu partout, les gens qui ont vraiment beaucoup de temps à consacrer à l'implication, ce sont souvent des gens qui viennent de milieux familiaux très, très aisés. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas toujours mauvais d'avoir une certaine forme de rémunération qui permet à des gens qui viennent de milieux peut-être un petit peu moins favorisés de prendre de leur temps pour l'implication. Donc, tout ça qui est entré en jeu. Mais je pense que ce qui nous a permis de ne pas être trop déconnectés, c'est que, en tout cas, j'ai toujours eu à cœur, moi, personnellement, j'étais conscient des sacrifices que les gens faisaient. Moi, j'étais présent dans les assemblées quand les gens votaient les grèves. Je voyais quel point c'était déchirement comme décision. On était très conscient que ça impliquait des sacrifices au niveau des notes, au niveau du travail étudiant pendant l'été, tout ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai autant travaillé pour essayer d'en arriver à une entente avec le gouvernement, pour éviter aussi la loi spéciale qui a été adoptée. On a fait des pieds et des mains pour essayer que le gouvernement ne la présente pas, pour avoir des négociations de la dernière chance. Parce que moi, j'avais toujours à cœur le fait que les gens font des sacrifices et s'attendent de nous des résultats. Je n'étais pas présent dans toutes les assemblées, mais il y a certains cégeps où j'étais là presque à chaque renouvellement de vote de grève. Donc, je voyais aussi à chaque fois que notre mainmise, ou en tout cas les gens, oui, nous faisaient confiance, mais commençaient à trouver qu'il fallait que ça débloque. Donc, je pense que tout ça a permis de ne pas être trop déconnecté malgré tout. Oui, bien, en fait, Armand tout à l'heure a parlé que ça fait plusieurs sessions, plusieurs cours, en fait, qu'on entretient ce questionnement-là sur comment un citoyen fait pour attirer l'attention des médias. Moi, chez nous, Marilyn, comment je fais pour réussir à obtenir une attention médiatique pour rallier les gens à moi? Vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais moi, ma question, en fait, c'est plus par rapport à votre expérience personnelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a des qualités prérequises comme personne à avoir pour réussir à rallier ces gens-là puis réussir à attirer l'attention? Bien, c'est sûr qu'idéalement, il faut avoir une grande gueule, puis en tout cas, du moins, avoir le goût ouais, de partager. Mais en même temps, je pense que n'importe qui est passionné, qui a vraiment un enjeu qui lui tient à cœur, va parler avec une authenticité, une honnêteté qui va lui permettre de rallier des gens autour de lui. Les étudiants, puis encore une fois l'intervenant précédent a parlé, ont été très originaux dans leur pour attirer l'attention. Encore une fois, je reviens avant les grandes manifestations. Je donne un exemple, on a été chanter des cantiques de Noël devant la résidence de la ministre de l'Éducation. Puis bon, un petit article de journal. À l'Halloween, on avait fait d'autres choses. On a vraiment essayé d'utiliser toutes les opportunités pour la journée des femmes. Il y a des femmes qui se sont mobilisées, qui ont fait un événement pour... bref, chaque journée, on essayait de réfléchir à bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer l'attention. On a déposé une pétition à l'Assemblée nationale. On a essayé d'utiliser des façons créatives qui sont peu coûteuses. Parce que c'est sûr que si on avait eu beaucoup d'argent, on se serait payé des panneaux sur le bord de l'autoroute, on aurait fait enfin ce que les gens font. Là, c'est-à-dire qu'habituellement, la visibilité s'achète. Elle s'achète à travers la télévision, elle s'achète à travers la pub. Sauf que les mouvements sociaux, les citoyens, habituellement, n'ont pas d'argent. Donc, ils doivent trouver des façons originales d'attirer l'attention vers eux. Puis là, l'imagination a des limites. Il y a des gens, ça c'est classique, mais mettons, pour attirer l'attention des étudiants, il y a des gens qui se coulent, disons, les faussement, là, les pieds dans du béton. Là, ça attire l'attention des étudiants. Il y en a qui se sont dénudés. Ça fait, donc, tout ça a contribué, je pense, à engendrer une visibilité médiatique parce que une manif en soi, c'est une façon d'attirer l'attention. Une fois que tu l'as faite, il faut que tu trouves d'autres façons d'attirer les gens. Mais la manif en soi, je pense que c'est la plus belle illustration d'une façon d'attirer. Pourquoi les patrons ne manifestent pas? Parce qu'ils ne sont pas nombreux, mais aussi parce qu'ils ont de l'argent. Ils peuvent bénéficier de visibilité d'une façon différente. Or, les syndicats, ou tout ça, ils ont des ressources, mais ils ont moins de ressources. Ils doivent utiliser d'autres façons pour attirer l'attention, pour démontrer leur force. L'entreprise, elle, délocalise ou menace de fermer. Enfin, chacun utilise les moyens à sa disposition. Puis, je pense que les citoyens peuvent en faire beaucoup malgré tout. Puis, notamment, comme je disais maintenant avec Internet, je pense que ce qui contribue aussi au fait que beaucoup de gens voient les médias sociaux comme très gros, ce qui est vrai, c'est un grand phénomène de société, mais c'est que les journalistes aussi sont constamment sur l'ordinateur, constamment sur Twitter, constamment sur Facebook, sont à l'affût de tous les trends, de toutes les modes qui se passent.
Donc, même des phénomènes marginaux sur le web, s'ils sont bien orchestrés, réussissent à se rendre jusque dans les écrans. Parce que, à mon avis, les journalistes, ça, accordent une très, très grande importance. Je pense que c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser ces mouvements-là. Parce que même si c'est parfois des mouvements marginaux sur le web, s'ils sont bien faits, s'ils sont bien orchestrés, peuvent réussir à mener à de grandes mobilisations. Et est-ce que vous pensez, parce que moi, j'ai une suite à ma question, je ne sais pas si vous connaissez Ricochet, qui a oui. été, c'est un média, en fait, un peu... sur le web. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Ricochet? En fait, ça a été créé par des membres de l'AC qui veulent... C'est un nouveau média pour contrer la convergence médiatique. Donc, ils veulent couvrir des sujets qui n'ont pas été couverts par les médias traditionnels. Est-ce que vous pensez que c'est une avenue pour la parole citoyenne? Ah, bien, c'est sûr. Moi, je pense qu'il faut... Je pense que le web offre un potentiel qui est incroyable. Mais le défi, comme je disais, il faut que ce soit assez bien fait pour pas que ce soit juste du bruit. Dans le... Parce que moi, ce que je trouve difficile en tant que citoyen, c'est qu'il y a tellement d'informations qui nous est... On est bombardé chaque jour sur notre téléphone en disant qu'on est abonné aux alertes La Presse, aux alertes Radio-Canada. On regarde sur Twitter, on est abonné à 2000 personnes, puis là, ça bouge, on suit des hashtags. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que on voit la taille des articles se réduisent. Puis même moi, je fais ça souvent, je lis le chapeau de l'article, puis le sous-titre en dessous de l'image, puis ça s'arrête là. Fait que je pense qu'il faut s'interroger aussi en tant que citoyen. Bon, c'est bien beau multiplier les plateformes, ou c'est bien beau s'informer sur 1000 affaires, mais il faut prendre le temps, surtout, je pense, de bien le faire. Et donc, moi, je salue ces initiatives-là, mais je pense qu'il faut, faut juste, en tant que citoyen, aussi réfléchir sur le fait que... c'est ça, moi, je trouve qu'on est beaucoup bombardé. Je pense que des fois, le fait de la lenteur aussi aurait ses vertus, puis de... Je pense qu'on va prendre deux dernières questions vraiment rapides et précises, et puis avec l'autorisation de... Ça fait un petit peu du pouce sur la dernière question, justement. Vous m'avez interpellé tantôt quand vous avez dit vous êtes allé dans le point de basculement. Hein. À un moment donné, les manifestations, on ne peut pas trop s'y joindre, on est presque gêné. Puis la semaine d'après, ou quelques semaines plus tard, il faut y être, sinon on est des losers, ça trouve. Alors, comment expliquer ça? Vous avez parlé de bon, passer aux médias traditionnels, c'est un gros élément. Puis là, vous avez parlé de créativité, mais dans le cas du printemps arabe, qu'est-ce que vous avez permis de passer de l'un à l'autre? Et en particulier, quelle sorte de posture vous semble vous propice à faire ce passage-là? On sait que le radicalisme va attirer certaines personnes, mais que ça va leur repousser d'autres. Donc, comment négocier là, le contenu idéologique pour avoir une masse? Encore une fois, il y a plusieurs visions. Je vous apporte la mienne, mais je ne prétends pas que c'est la seule. En soi, le fait de voter une grève, par exemple, c'est un bon cas où souvent les gens au départ sont un peu hésitants. On ne sait pas trop, on veut-tu être avec eux, on veut-tu être contre eux. Il y a des avantages, il y a aussi des désavantages. Et là, le phénomène de médias traditionnels peut s'appliquer aussi à une micro-société qui est un cégep, une université. Donc là, en partant, si les gens cool de l'institution ou qui ont une voix qui porte, sont pour, et nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, on a essayé de cibler les différentes têtes de réseau dans l'institution, essayer de les convaincre, essayer de cibler quelques enseignants plus influents qui pourraient nous appuyer. On a essayé d'avoir un marketing, un branding aussi, que ce soit dans le tractage, l'affichage, les sites web, mettre en ligne des capsules vidéo. Donc vraiment, créer un environnement médiatique, finalement, à l'intérieur même d'une institution qui fait en sorte que ça devient... regarde, c'est pas ringard ce qu'on est en train de faire. On est en train vraiment d'essayer de bâtir un mouvement qui est solide, qui est structuré. Et donc, je pense que ça a aidé. Puis à partir du moment où les gens étaient en grève, c'est sûr que là, c'était plus facile parce que les gens avaient du temps disponible aussi. On réfléchissait tantôt avant la conférence au fait que ce qui est difficile maintenant aujourd'hui, vous le voyez, les gens sont pressés. Ça date pas d'hier, mais ils ont la garderie, ils travaillent, peu importe. T'sais, dans le métro, des fois, tu essaies de passer même un tract avec quelqu'un. J'ai pas le temps, je te demande rien, je te demande juste de le prendre, puis tu sais, au pire, c'est pas grave. Et donc voilà, donc je pense que l'idée, c'est vraiment d'essayer de bombarder la personne à travers différents outils de communication pour vraiment que ça apparaisse comme la seule conclusion logique, la seule possibilité, c'est que tu sois avec nous. Puis je pense que c'est les bons vieux moyens, c'est avoir des bons discours dans les assemblées, puis essayer de cibler surtout les bonnes personnes, avoir une diversité dans l'argumentation. Comme nous, on travaillait beaucoup aussi sur les secteurs, la technique, par exemple, je parle de ce que j'ai connu au niveau collégial, c'est souvent des gens plus difficiles à convaincre. Donc là, on essayait de développer un argumentaire particulier pour ces gens-là, pour dire, bon, mais toi, en soins infirmiers, il y a tant de pourcentages qui vont à l'université par la suite, donc ça vous touche quand même. Ça va marcher partout. Je pense que pour la question du temps, nous allons malheureusement clore notre série de questions. Deuxième question. Je
je vous invite à marquer vos questions, à les relever pour la fin, quitte à approcher l'intervenant pendant la série de poses qui va suivre. Oui.